これはフランスの小さな幼稚園で行われた大きな試み。フィロソフィー、コマンス。Vous avez besoin de faire quelque chose dans votre tête. Réfléchis. Faire sortir, c'est quoi? Bah, les mots, hein, il faut parler. 小さな子供たちが哲学に向き合った2年間の記録。Là, c'était des blancs de rien du tout, quoi. C'était très déstabilisant parce que du coup, ça a traîné en longueur. On réfléchit, on se pose des questions sur le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit. Les amis, ça joue avec eux et les amoureux, ça se fait des bisous. Ça nous a aidés, nous, en tant que parents, à mieux parler à nos enfants. Moi, je veux savoir un truc. Les pauvres, comment ils ont fait pour être pauvres? C'est quoi l'amour? C'est pas bien se parier. Si. Alors, c'est goût à joie. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais dans la vie, on n'est pas toujours d'accord avec tout. Est-ce que ça va résoudre ton problème si tu la tapes? Avant, on a une bouche et on parle. D'accord? Avec la vie, moi et du coup, on parlait de la mort et de l'amour. Et tu veux qu'on parle de quoi en philo la semaine prochaine? Les papas et les mamans, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des enfants? Ça rend pas heureux. Je pense que pour certains parents, oui, ils le préparent vraiment en amont. C'est le premier programme de l'éducation dans le monde. Et à l'écoute de ce qu'ils vont avoir à dire. Les enfants ont changé le premier pas pour les enfants. 小さな哲学者たち。J'aime faire la philosophie parce que moi j'aime penser.